Bienvenue sur la chaîne à Cassandra Bouchard. J'ai l'air d'avoir les cheveux rasés, mais c'est correct. Bonjour! Bonjour la gang! Fait que ici Cassandra et Caroline pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, c'est une aventure vraiment excitante parce qu'en fait, je suis allée au Snack Town sans Caro. Fait qu'elle est comme pas vraiment au courant de ce que j'ai acheté. Et pour les gens qui savent pas c'est quoi Snack Town, c'est un espèce de dépanneur mais avec plein de produits vraiment weird que genre t'as jamais vu de ta vie. T'es comme, hein, ça vient de tous les pays du monde, c'est fou. Je suis tellement excitée de faire cette vidéo avec Caro parce que Caro, c'est la fille la plus dédaigneuse au monde. Dédaigneuse? Attends, je suis pas dédaigneuse, là. Je suis vraiment pas dédaigneuse. Je suis dégoûtée par la nourriture. Elle est difficile. C'est vrai, t'es pas dédaigneuse. Je suis pas dédaigneuse, je suis dégoûtée. Moi, je pense qu'il y a des trucs que tu vas vraiment aimer. Il y a des trucs que c'est étrange. Ok. En tout cas, es-tu prête? Ben, j'ai pas le choix. Yay! Yay! Premier service! Bonjour, mesdames! Hey, mais mon Dieu Seigneur! Vous ici? Nous sommes maintenant au premier service. Voici donc des petites pastilles. Oh! Ah, c'est sûr, c'est sûr. Regardez! Comme tu? C'est des petites boules. C'est sûr que c'est sûr. On dirait des petites couilles. T'es prête? Je suis prête. Tabarnak! Oh! My God! Pourquoi t'as l'air d'aimer ça? Non, non, pas pourquoi t'as l'air d'aimer ça. Caro, c'est tellement sûr, hein? J'ai juste au début que c'est sûr. J'essaie de sucer rapidement. C'est vrai. Là, c'est bon. Fallait le sucer rapidement. T'as c'est pas habitué de sucer rapidement. Non, moi, je prends mon temps, quoi. Deuxième service. Oh my God, oui. Hey, wow, minute. C'est un liquide. Deuxième service, la gang. Il s'agit d'une petite boisson. Hein? OK. T'es prête? Oui. J'ai vu c'était quoi. Ah, je trouve que ça goûte la terre. Je suis vraiment surprise parce que c'est genre censé être un Mountain Dew épicé. Ah, mais quand ça va, tu trouves pas que c'est épicé un peu? Zéro, même pas un peu. Je trouve ça bon pour vrai. Ouais, mais attends. Non, mais attends, le goût d'épicé est très ouais, subtil. Mais là, c'est pas... Moi, je m'attendais à ce qu'on aille mal. Là. Ah! Je viens de le ressentir. Mon Dieu, très à retardement. Hein? Ça goûte on était pas pressé. Ça goûte pas le Mountain Dew pour une scène. Je dois avouer que je me rappelle pas du goût je du sais pas si c'est à cause du petit bonbon avant que je trouve que ça goûte un peu la terre. C'est le fun, on a un charmant serveur. Ah, arche tabarnou! Ah, oh, c'est un ramen! Mes yeux. C'est un ramen! Mes yeux. Fait que ramen épicé. Es-tu prêt? Oh, oh oui! Oh tabarnak! Oh, en lice! Ah non, non, c'est vraiment épicé, là. Ok, je dois dire que le gars m'a dit qu'il était même pas capable de le manger. Il a dit que c'était la main la plus épicée. Je sais pas à quel point je le mangerais au complet, là. Ouh! C'est bon pareil. Mais c'est vrai. Mais on dirait que c'est le pire en pire. Tu l'as tout pris? Ouais, c'est vraiment bon. Mais le goût est bon. Vraiment. Vraiment bon. Mais moi, j'aime vraiment épicé dans la vie, là. J'aime vraiment épicé. Quand il y a vraiment épicé la gueule. Ok, next! Oh! Kit Kat au bleuet. Oui. Kit Kat au muffin au bleuet. Kit Kat au muffin au bleuet. Moi, ça, je trouve que ça promet. J'aime vraiment les affaires au bleuet dans la vie. Je trouve que mais on n'achète pas assez des tartes au bleuet dans la vie, mais c'est vraiment bon, les tartes au bleuet. Non, c'est vrai. Je n'en mangerai pas plus qu'un, genre. C'est vraiment, vraiment sucré. J'ai beaucoup trop de goût dans ma bouche en ce moment. Mes lèvres me piquent. Ouais. C'est sûr dans mes joues. C'est vrai? Mes papilles gustatives se font aller, la gueule. Comment aller, là? Je suis vraiment pas fan. Ah, c'est rare que j'aime tout. Ouais. C'est sûr que j'aime tout manger. Monte tes lèvres. Monte tes lèvres. Let's go. Genre, pensez-vous que c'est de manger ramen? Ok. Puis il y a l'enquête, là. Il y a les lèvres tout rouges. C'est pour ça qu'on avait pas de nouilles. Ils ont tout mangé. Ils ont tout mangé les nouilles. T'as-tu mangé toute la ramen? Ah, c'est qu'il l'aime. Mais ils ont tout mangé. C'est pour ça qu'on avait pas de nouilles. Ça, ça promet. C'est une petite boisson à quelque chose que moi, personnellement, j'adore. Oh, non. C'est genre ça, trop, là, c'est vraiment trop intense, là, c'est vraiment un goût. En fait, c'est aux fusées. Ah, ben oui, ça goûte les fusées. Ouais, mais c'est bizarre, un fusée pétillant, genre. Mais là, j'avoue que la couleur... Ben oui, mais là, la couleur, elle a trahi, là. Makaya aux bananes. Oh my God, miam. Ah ouais? Oh, arc! Oh, miam! Oh, non, ça non, sent non. Genre le sirop banane comme médicament. Attends, t'as ça? Oh mon Dieu, genre, j'étais tellement contente quand on me donnait du sirop banane, là. Excusez, c'était épouvantable, cette vidéo. Non, ça va être une recap de nous qui rock tout le oui. Monde. Ah, non, l'odeur me revient pas, là. Wow. Oh my God. Tous ceux qui aimaient le sirop banane de jeunesse, là, oh mon Dieu, ça me rappelle tellement mon enfance. Genre, je suis pas fan du goût, mais genre, j'ai un flashback. J'adore le goût. En ce moment, je revis mon enfance. Ma triste enfance. Je veux pas ouvrir. Voir que t'aimes pas ça! Ah non, 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 ça me dégueule, là. Mais j'aime, j'apprécie pour le throwback.
Okay, ça, c'est un produit typique de la Jamaïque. Ça sent les oh! arachides. Oh mon Dieu, ça sent quand tu... Non, quand tu manges des Reese's, puis après ça, tu bois ton lait, genre, tu sais, les céréales Reese's, genre. Non, je vais même manger de céréales Reese's. Oh mon Dieu, ça sent vraiment bon. Ça sent, ça promet pour vrai. Les cacanotes. Les cacanotes. C'est quoi, je voulais dire les cacahuètes. Ça sent les cacahuètes? Ah non, mais ça sent bon, ça sent vraiment Reese's. Ça sent le lait de Reese's. Oh, c'est riche. Ah, c'est bon. J'aime vraiment ça. J'en mettrais dans mon café, genre. Ouais, c'est sûr, genre... c'est bon dans le café. Je suis vraiment étonnée. Qu'est-ce que je ferais avec ça? Quoi? Des glaçons. Oui! Dans ton café, genre. Ah, pour faire un café glacé. Ouais. Ah, ça serait tellement taste. Ça, ouais, peut-être. Yo, parce vous devez, c'est vraiment ça. Un peu plus épais que du Baileys. C'est ça, c'est que c'est lourd. C'est ça. Ouais. Alors, monsieur, ça va? Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est des chips cheddar et barbecue. Oh! Gracias, c'est de Cardi B. Ah! Oui! Tu veux te dire bonjour? Snacks! Ouais. Baby, franchement. Okay, okay. Okay, moi, ça m'a quand même fait rire quand j'ai vu les chips Cardi B. Parce que moi, honnêtement, si j'avais à donner une saveur à Cardi B, ça serait genre épicé. Puis j'ai pas l'impression que c'est épicé. Ça serait pas genre cheddar. Non, j'aurais pas choisi cheddar pour Cardi B. Toi, t'aurais cheddar. Choisi quoi? Peut-être barbecue, mais pas cheddar. Non, ouais. C'est ça. Bouton Cardi B. Tu sais, moi. Là, c'est bon. J'aime vraiment ça. Chez service. Ok. That's it. Puis, vous allez me dire qu'est-ce que ça goûte. Ok. Oh! Shooter. H! En shooter! Ah, c'est pas mauvais. C'est de l'eau gazier à sel de mer et fromage. C'est pas mauvais. C'est ça? En fait, là, en disant que ça, c'est au fromage. Arc! Est-ce que t'es laid? On va aimer ça. Oh! C'est l'heure de la votre maman. Je suis bien excitée de goûter à ça parce que je vais t'avouer que ça fait vraiment longtemps que je les vois partout. Mon gros hein? Crise de cornichons là, j'ai vraiment des old expectations. Puis moi j'aime full les cornichons là, fait que... Puis celui-là c'est le épicé, puis ça a l'air qu'il est vraiment épicé. C'est des cornichons sucrés. Des ça m'a déçu. Il est dégueu. Ah, ça lui dit qu'il est dégueu. Il goûte un petit peu sucré, tu trouves-tu? Ouais. Il goûte qu'il est chaud, là. Mais attends, mais je trouve que dans un burger, ça serait vraiment bon. Mais il manquait le burger. Bah, ça sent les Froot Loops. Mmh! Oh shit, ça sent vraiment les Froot Loops. Les Froot Loops? Tu vois comme ça que ça se dit? C'est Froot Loops? Froot Loops? Froot. T'as dit Froot Loops. Des Froot Loops? Mmh! Ok, mais ça... Avec le jus aux bananes, c'est mon enfance. Avec le jus aux bananes. Écrivez dans les commentaires, c'est quoi vos céréales d'enfance? Moi, ce serait ça. Les Froot Loops. Puis les Corn Pops. Les Captain Crunch. Les petits pains dorés. Cheerios au miel et. Cheerios, cannelle et. Oh, et pommes. Parce que écrivez, c'est quoi vos céréales d'enfance? C'est tout, bye! Ouais, c'est ça, c'est la fin. À finir de même. Bye! Bye. Ouh! Fait que c'est un Pepsi à la pêche. Ah. Honnêtement, moi, je suis pas une grande fan de Pepsi, fait que j'espère que ça va être bon. Oh, ça sent bon. Oui, ça sent, ça sent bon. Ça sent les shooters. C'est vrai qu'on dirait qu'il on parlait de l'alcool. La petite alcool, genre, puis je serais comme, ouais, non, excusez, c'est mon vraiment... Dieu. Ben, excusez, là, je suis pleine, je pense. Je suis pleine, elle a bu trois boissons. Ah, c'est doux. Ouais, le petit goût, il... Ah, c'est bon. Oh my god, oh! C'est doux. Non, mais c'est vraiment bon. J'aime vraiment plus ça qu'un Pepsi normal, là. Je mettrais un peu de vodka dedans, genre. Ben oui, de la vodka aux pêches. Du rhum. Du rhum? Bon, faudrait essayer. Rhum. Mais c'est bon, ça le fait. Oui! Yo, les services sont tellement efficaces, là. C'est vraiment fun d'avoir des techniciens mais qui nous aident gratuitement. J'ai l'impression que ça va finir bientôt. Ouais, c'est sûr que toute bonne chose a une fin, hein. Ça sent pas bon, t'as remarqué. Vous êtes pas supposé le sentir. De toute façon, l'odeur est tout le temps trompée, là. Non. C'est un soda à la dinde et à la sauce gravy. Un hot chicken en soda. Ouais, à date, mon préféré, je pense, ça a été Cardi B en chip. Yeah! Ah! Il s'agit d'un Reese avec des chips à l'intérieur. Ah oui! Étonnant qu'il est coupé en quatre. Hein? Je me demande, sont où les deux autres parties du Reese? Reese avec des chips. Fait que ça promet, je pense. Ben, ça goûte les Reese. Croustillant. Ouais, c'est ça. Je sens pas la chip, genre. Ben, en voulant dire, c'est quoi, tu voulais que ça goûte genre le barbecue? Ouais. Là, ça goûtait ça avec la chip barbecue. Mais... De Cardi B. Rendu au dernier service. Oh non, dernier breuvage! Déception. Je me demande, c'est à quoi ça doit être, genre, à la morve, celle-là, ce rendu-là. Si on regarde pas. À la morve. Genre, au wasabi, là, aux algues de mer. Genre, c'est sûr, c'est ça, casse. Dernier service. Santé. Merci, ma chum, d'être là.
c'est sûr. Ah, c'est l'affaire sûre, la boisson sûre. Mmh, j'aime ça. Big guess tu veux. Tu veux tout le centre de l'attention. C'est bon. Oui, c'était bon. Mais quelle réussite cette vidéo. On n'a même pas eu besoin d'un bol à vomi. On aurait même pas vomi. Pour vrai, non. C'est une finale de chien! C'est une finale de poupou! C'est de la zoothérapie! C'est de la zoothérapie! Yeah! Bon, ben la gang, la vidéo est finie. Hein? Attendez. Ouais, fallait finir sur un rot. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Mais moi, j'ai vraiment aimé ça. Je suis vraiment juste surprise qu'on ait tout aimé. Genre, y a rien qui m'a dégoûté. Même le ramen, j'étais comme, hey, on va ça, j'avais vu. Moi, j'étais comme, je suis vraiment déçue que ça doit tout manger le ramen parce qu'en ce moment, je me serais levée puis j'aurais été manger des nouilles. Mais il a peut-être pas tout mangé. C'est juste sa bouche. Donc, ça affirmait qu'il avait tout mangé. Mais il y a espoir. On perd pas espoir. Tu m'insultes. Yo, checké comment ça, c'est un ramen. Il a tout mangé, c'est tout ce qu'il nous a laissé. Puis son excuse, c'est ben le ramen va être froid. Ah, puis on vous a servi. C'est ça. C'est un salaud, man. Finalement, je laisserai pas de type. Non, c'est pour ça qu'ils nous ont offert avec les serveurs. C'est sûr que c'est ça. C'est juste pour manger tout. Ah, si qu'ils sont laids, man. On pensait qu'ils étaient genre polis et aimables. Laisse faire. C'est des enfoirés. Ils ont tout mangé. Bonjour, bye! Et là, je vais vraiment me dépêcher à conclure parce que j'espère vraiment que les gars ont pas tout mangé puis j'ai envie de manger du ramen. Hi hi hi! J'ai ta bouchée de ramen, Caro. Bye bye! Merci, Caro, d'avoir été là. J'étais beaucoup. Bye!